crois que c'est là. Ouais, pareil, c'est sûr que c'est là. Oui, c'est bon, c'est là. Ok. Bon bah Swan, t'es le numéro 218, moi je suis le... 456 du coup. Ouais bon bah on est pareil hein. Ouais, c'est parti. Que le meilleur gagne. Bonjour, numéro 456 et numéro 218. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Merci. Merci. Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents. Celui qui sortira vainqueur de ces jeux remportera un énorme cadeau. Le cadeau de votre vie. Une pluie de chocolat. Un pain de chocolat. L'autre candidat sera éliminé. Première épreuve. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil ? Mais je connais ce jeu. Comme quand on était petit, bah trop simple. Bah trop cool, ouais. Les règles de ce jeu sont simples. Vous devez avancer jusqu'au mur qui se trouve derrière moi et toucher le mur. Lorsque vous entendez le mot soleil, vous devez vous immobiliser. Si vous bougez, vous recommencez. Vous avez 5 minutes pour toucher le mur. Si vous ne touchez pas le mur, vous êtes éliminé. Bonne chance à tous. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Non mais attendez, mais j'ai pas bougé, moi j'ai rien fait, non, mais c'est le garde. Oh. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Non, je peux pas bouger. Non, mais s'il vous plaît, non, mais c'est une blague, on peut refaire. Non. C'est pas vrai. Non, il va bouger. Non, il va bouger. Soyez moi. Oui, yes. C'est bon, j'ai réussi, oui. À la prochaine. Oh là, c'était chaud. On a réussi tous les deux, yes. Yeah. Bah, du coup, un point chacun. Ouais, c'est ça. C'était hyper dur cette première épreuve. Ouais, franchement, moi je m'attendais à rien. Et en fait, c'était hyper dur. Il m'a ramené plein de fois, j'ai cru que c'était fini. Franchement, heureusement que tu t'es agrippé la dernière fois. Hein. Sinon, tu serais passé direct. Hein. Ah bah oui, là j'aurais direct gagné, ça t'aurait perdu là. Hein. Ils ont réussi la première épreuve. Passons maintenant à la deuxième. Bon, apparemment, Swan, c'est le moment de la deuxième épreuve là. T'es prêt? Bah ouais, je suis chaud bouillant là. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais gagner en premier. Je sais pas comment attendre du tout, par contre. Ouais. Pour cette deuxième épreuve, vous allez choisir un gâteau. Oh, c'est vrai? Il y a une dégustation, je peux en régaler. Léo, je suis pas sûr. Hein. Quoi? Bah oui, on va manger des gâteaux. On va faire quoi avec les gâteaux? Il y aura 4 gâteaux différents. 4 formes différentes. Oh. Il y a un gâteau en forme d'étoile. Il est beau. Oh. Un gâteau en forme de rond. Ok. Un gâteau en forme de triangle. Je vais régaler. Et enfin, un gâteau en forme de parapluie. Et l'épreuve, c'est quoi? Genre, faut juste y manger? Oui. Vous allez choisir au hasard un gâteau. Avec l'aiguille qui est dans la boîte, il faudra séparer la forme du reste du gâteau. Si vous parvenez à réussir cette épreuve, vous mangerez le gâteau. Oui, yes. Dans le cas contraire, vous serez éliminé. C'est parti. Ok, bah du coup, qui commence à choisir? Shifumi. 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 Shifumi.
Hey, hey. Allez, moi je prends celle-là. Bah moi je vais prendre celle-là. Très bien. Voilà. Oh, j'ai le rond. J'ai le triangle. Oh, ça va. Vous avez 10 minutes. Eh, on t'a dit de pas manger tout de suite le gâteau, c'est bon. Si tu gagnes. Laisse-moi me concentrer, c'est une technique là. Non mais il est impossible à. Il est impossible à détourner ce biscuit. Oh, oh, c'est bon, j'ai réussi. Yes, j'ai réussi. Du coup, ça veut dire que je peux manger le gâteau. C'est pas vrai. Non, 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 non. Il me reste une minute. Ça va, Léo? Arrête de mettre la pression, là. Ça va. Ouais, monsieur garde, j'ai le gâteau. Yes, je peux manger? Bon, bah, je prends ça pour un oui. Hein. Trop bon. C'est le moment de vérité. Ok. Allez, le dernier morceau. Allez, allez. Allez, oui, oui, j'ai réussi, Swan, moi aussi, j'ai réussi, oui. Alors, maître du jeu, regardez ça, c'est validé, yes, merci, allez. Le meilleur moment de ce jeu. Ah, le bon goût de la victoire. Bon, maintenant qu'on a pris le petit goûter, troisième épreuve. C'est parti. La troisième épreuve, c'est l'épreuve de la corde. Vous allez tenir chacun une extrémité de la corde. D'accord. Pour équilibrer cette épreuve, joueur numéro 456, vous n'utiliserez qu'une seule main. La main la plus faible. Joueur numéro 218, vous aurez droit aux deux mains. Oh, trop bien. Positionnez-vous. Ok. La limite est ici. Okay, là. Vous devrez attirer votre adversaire de l'autre côté de la limite. 3, 2, 1, top! Merci, merci! Je sens en rythme avec moi-même. Ouais, ouais, c'est chaud! Oh, c'est une dernière! Non! Je vais y arriver. Yes, j'ai gagné cette épreuve. Allez, à moi le gros cadeau. Joueur numéro 218, vous êtes éliminé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon Swan, l'épreuve numéro 4, je sais pas pourquoi on me fait rentrer là-dedans. Ouais, mais... Épreuve numéro 4. Les billes. Oh, les billes, j'ai joué en cette vidéo, combien? C'est cool, on connaît bien ça, ça explique ici. Dans cette épreuve, vous aurez 10 billes chacun. D'accord. Vous allez vous affronter avec différents jeux. Le principe, c'est de récupérer les 10 billes de son adversaire. Celui qui récupérera les 10 billes de son adversaire sera vainqueur. Celui qui échouera sera éliminé. À mon époque, j'étais un pro des billes, donc là, je vais t'atomiser. Bon, moi, en vrai, je pense que c'est moi qui vais t'atomiser. Voici les 10 billes pour chacun des adversaires. Ok, du coup, on a 10 billes chacun. D'accord, c'est parti. Bah, du coup, mais où on joue à quoi comme jeu? Kifumi. Kifumi. Pas. Ok, tu veux qu'on commence par quoi? Bah, celui genre, on doit toucher les billes de l'adversaire. Stoine, avant de commencer, si jamais un ou deux touche la bille de l'autre, il va la gagner et en plus de ça, on gagne trois autres. Et le premier tour ne compte pas, c'est-à-dire que le premier tour ne peut pas toucher la bille de l'autre. Chifoumi. Allez, c'est moi qui commence. Ah, oh, d'accord. Allez, toi. Je vois, je vois. Oh non. Oh, le premier tour ne compte pas. Ah, le tour vient de terminer. Maintenant, ça commence. Je vois bien qu'il va gagner. J'ai gagné. Allez, je veux 12 autres billes, enfin 3 autres billes, pardon. Pas 12, hein.
Merci, Kiso, t'es vraiment très généreux. Ah, je vais avoir. Allez, on en refait une. Non, on va changer de jeu plutôt. Bon, on est où? On passe au jeu de chance. Très bien. Je vais t'expliquer les règles. Genre là, je prends un nombre aléatoire de billes. Père ou impair? Est-ce que mon nombre de billes dans ma main est pair ou impair? Oh là, c'est que du hasard ça, bah. Ouais. Père. Bah, ouvre la main pour voir. 3. Impair. Ça doit être 3 billes, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Oh là là, bon, tiens, mal. Vas-y. Mais c'est, là, c'est du tutoriel. T'inquiète. T'as c'est du tutoriel. Ah, d'accord, merci, ok, c'est sympa. Tu peux commencer, vas-y, je te laisse. Très bien, ok. Allez, pair ou impair? Impair. On est 5. 5, c'est impair. Oh non, c'est pas possible. Tiens. Mais il a trop de chance, moi, il est un peu trop. Là. Oh là là, ça a commencé à m'énerver. Est-ce que tu voudrais pas changer de jeu? On a fait une dernière. Ok, d'accord. Père ou impair? Père. Père? Oups, dommage. Hein, c'est impair, tu me vois une bille. On fait un autre jeu tout de suite. Ok, bon, ça, maintenant, le prochain jeu, c'est très simple. On va faire le jeu de celui qui rapproche le plus sa bille du mur. Pour l'instant, on va miser une seule bille, ça te va? Ok, ouais, ouais. On mise une seule. Non, non! À toi! Oh là là! Non! J'ai gagné! Du coup, je prends ta vie! T'as gagné une vie! Oh, c'est pas vrai! Hop là! Ce qu'on fait, c'est la même épreuve, mais cette fois, on mise toutes les vies, ok? Toutes les vies! Oui, toutes! T'es prêt là? Bon, Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi! Allez! Pas vrai! Non! Et voilà, j'ai une envie! J'ai perdu! Oh là là! Ouais, j'ai gagné! Oui! Bon, tant pis, hein, j'ai perdu l'épreuve. Bon, bah, je vais pouvoir me rattraper pour la suite, je pense. Hein. Ouais, je croise les doigts là, je me mets à fond. Ah! Épreuve numéro 5, le pont de verre. Pour cette épreuve, vous allez devoir franchir le pont de verre. Si rien ne se passe lorsque vous posez le pied sur une dalle, c'est que vous pouvez continuer. Si la dalle se déclenche et émet un son, vous devez retourner à la case départ. Oula, ça va être chaud. Ça va être tellement chaud. Vous avez 3 minutes pour traverser le pont de verre. Si vous y parvenez, vous marquez un point. Si c'est un échec, vous êtes éliminé. Bonne chance à tous. Voici le pont de verre. Qui commence cette épreuve? Shifumi. Shifumi. Oh, ah, tu commences. Oh, c'est bon. Oh, la chance que j'ai eue. Oui. Oh. Sam, s'il te plaît, tu peux m'aider? Et à gauche, peut-être. Ok, merci, Swan. Non, c'était pas ça, Swan. Tu m'as trahi. Non. Non. Et à moi, je trahis à gauche. Oh oh, yes! Non! Ok, vas-y. Ouais. Oui, oui, c'est la bonne, c'est la bonne. Non! Yeah non! Oh. Yeah. Swan, c'était quoi après déjà? Il me semble que c'était tout devant. Tout devant? Non! Frère! On était frères! Hop! Là! Là! La chance! Là! Non! C'est pas possible! Là! Non! Oh non, non, non! C'est pas vrai, c'est pas vrai! Oui, yes. Oui, yes. Oui. Ouf, ouf, ça se va. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, yes, j'ai réussi. Bon, allez, j'y vais. La chance. Oh, yes, yes. Non, mais c'est yes. Bon. Non, mais c'est bon. Ah ah. Alors
Non. Yes. Ah. Oh. Oh. Ouh. Oh là là, ça va? Ça va? Oh. Oui. Oh. Oui. 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 Comme c'était dur ça, oh là là. Comme c'était chaud. Bon, ce n'est 5 premières épreuves, là c'était vraiment dur. La dernière, je sais pas du tout ce qui nous prépare. Ouais, j'espère que c'est pas trop difficile. Et surtout, j'espère que je vais gagner. Hein. C'est moi qui vais gagner. Sixième et dernière épreuve. Le Squid Game. Pour cette épreuve, nous allons utiliser notre mascotte. Vous devrez toujours, toujours, toujours rester en contact avec le poutre, avec n'importe quelle partie de votre corps. Joueur numéro 456, vous n'aurez droit qu'à une seule main, la main droite. Oh, oh non, ok. Joueur numéro 218, vous pourrez utiliser vos deux mains. Oh, Léo, j'ai gagné cette profession. Moi, je peux faire ça, Swan. Ouais, c'est vrai. Vous tenterez de déstabiliser votre adversaire. Ah, d'accord. Le premier qui est éloigné du poutre est éliminé. Bonne chance à tous. Ok, wow, c'est l'épreuve. Ça va être du corps à corps. C'est sûr, ça va être difficile. 3, 2, 1, que départ. Oh, c'est super dur, comment je fais moi? Non, non, non. Je vais raccrocher. Là, je suis toujours en contact avec la queue comme ça. Allez, lâche-moi ça. Allez. Chatouille. Allez, on piège. Jamais. Voilà. Non, je vais pas faire des chatouilles. Léo, lâche-moi, sérieux. Jamais. Non. Joueur numéro 456, vous êtes éliminé. Je suis mort de frustration. Yeah, j'ai battu Léo. Et en plus, le truc hyper bien, c'est que j'ai peu faible. Ça va Léo? Est-ce que tu fais bien, dis-moi? Je voulais gagner. Non, non, pitié, non. C'est la fin, j'ai perdu. Non. C'est moi qui ai gagné. Est-ce que ça t'a plu, Swan? Ouais, franchement, c'était génial. Est-ce que t'étais à fond là-dedans? Ouais, et du coup, à moi la surprise. On a gagné, bravo. Franchement, c'était cool, c'était épique, on s'est donné à fond, ouais, c'était un truc de malade. C'était trop bien. Il y a eu des méga épreuves. Sous la fin, c'est quoi ta préférée? Ah, peut-être le squid. Le squid à la fin, c'était très drôle. Moi, ouais, le squid, c'était génial. Joueur numéro 218. Vous avez remporté 5 épreuves. Vous êtes donc le vainqueur. Vous gagnez le cadeau de votre vie. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces cartons? Qu'est-ce que ça peut être? Oh, attends. Il y a des photos de Pop Squid Game. Mais attends, c'est des figurines Squid Game, je crois. Oh, attends, il faut les ouvrir. Allez, il faut les ouvrir. Allez, c'est parti. Oh là là, trop stylé. Regarde. Moi j'ai une figurine, garde triangle. Ah ouais, moi c'est carré. C'est une belle figurine, hein. C'est moi qui ai gagné. Hein. On peut partager? Non. Oh, c'est trop bien. Et là j'ai le rond, c'est Swan le rond. Tu veux dire? Bah c'est le soldat qui a le moins de pouvoir. Et si tu continues à dire ça, je t'assomme avec une des figurines. Oula, hein. Attention. Et là, il y a le maître du jeu. Donc moi. Pas. Toi t'es lui. Et moi je suis lui. Tu vois? Oh là là, c'est trop stylé. Elle est sympa cette figurine, hein.
Franchement, Néo, elles sont trop stylées. C'est incroyable. C'est à qui que tu préfères? Le maître du jeu, non? Ouais. Et toi, c'est le carré aussi que j'aime bien. C'est le rond. Non. J'aime bien aussi le carré. Ouais. Non, mais elles sont trop bien. Elles rentrent trop bien. Ça va être une super décoration dans ma chambre. Attends, dans ta chambre? Je veux dire, dans la mienne, non? Parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais on partage pas? Bon, d'accord. Enfin, Néo, c'est toi heureux, hein. T'es éliminé, tu dois même plus être là. Allez, dégage! Qu'est-ce que tu fais, Léo? Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Ah, bah oui, bien sûr! Enfin, gros! Bisous! Bonjour! Zéla! Bah, tout le monde! Ouais! Un bisou! Allez, bah, tout le monde!